Eh bien, bonjour et bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui, je vais vous proposer une visualisation guidée dans laquelle vous allez recueillir des éléments qui soutiendront votre processus créatif. Dans la vie, on a plein de questions existentielles. Étape par étape, on est amené à être confronté à des situations pour lesquelles on a besoin de réponses. Il existe plusieurs moyens d'en avoir, de vivre la situation, de la ressentir, de la conscientiser, d'y réfléchir. Et je trouve que la créativité permet d'avoir des informations supplémentaires et complémentaires. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, de ressentir et d'expérimenter. On est en plein cœur de l'été. Avec cet atelier proposé par Supraconscience, j'ai envie de vous emmener dans un voyage pour vous reconnecter au cœur de qui vous êtes et rayonner votre lumière à l'image du soleil qui a son apogée. La créativité, c'est pour moi un espace propice pour engager le corps, pour libérer le mental, pour se reconnecter à son cœur et à partir de là, avoir des informations de notre âme qui s'expriment au travers de notre sensibilité unique par la manière dont on va créer. Alors, qui je suis pour vous accompagner pendant ce voyage? Eh bien, je suis Véronique, je suis thérapeute et artiste, et l'art et l'accompagnement font partie de ma vie. Cela me permet d'avancer dans chaque étape de mon existence, et à partir de ma sensibilité unique, eh bien, j'ai à cœur de vous accompagner sur votre propre chemin. Avant de commencer l'atelier en tant que tel, j'ai envie de vous exprimer que la créativité, elle appartient pas qu'aux artistes. On est tous créateurs à partir de nos pensées, de nos émotions, des actions qui en découlent. Et donc vraiment de vous sentir libre. L'intention, c'est vraiment d'être dans la joie, d'avoir envie de vivre le processus. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Mon moyen de prédilection, c'est la peinture. C'est pour ça que c'est ce que j'ai préparé. Mes différentes couleurs de l'arc-en-ciel et ma toile. Mais vous pouvez tout à fait prendre des feutres, des crayons de couleur, voilà, des pastels. Je ne fais pas de promo pour des marques particulières. Des feuilles canson, des feuilles colorées. Si vous voulez faire du découpage, du collage, si vous êtes plus à l'aise avec des morceaux de tissu, vraiment, prenez ce temps-là pour préparer votre espace, pour préparer vos outils, votre matériel, vos pinceaux et autres, et vraiment vous sentir dans la joie de faire cet atelier.